bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure série Survie Modée. Voilà, 1.16, on est actuellement dans le Nether, dans un magnifique biome, pour le coup, de Biomes Aplenty. Je ne sais même pas ce que vous en pensez encore, étant donné que je tourne cet épisode à la suite, vous voyez à ma tenue vestimentaire qui est la même que celle du dernier épisode, voilà. Ok, on atterrit dans une mine. Mais c'est génial. On atterrit dans une grotte, mais non, en fait, on est juste à la surface. J'ai l'impression qu'on est à la surface d'une grotte parce qu'il y a de la terre juste au-dessus. Il y a de l'eau, très bien. On est où là, hein? Alors attendez. Alors vous voyez, hein, avec le shader et tout, il n'y a même pas besoin de torche. C'est-à-dire qu'on voit vraiment suffisamment bien. Alors qu'en réalité il fait sombre. Là on n'est peut-être pas à la surface. Oh. What? Il y a de la cobble qui s'est formée. Non, on connaît pas cet endroit, on est bien d'accord. Hein. Non, en fait, j'avais peur, j'avais un soupçon que c'était une grotte qu'on ait déjà explorée. Mais a priori, non. Par contre, on vient d'où, là? Je me suis perdu, les gars, ça y est, je viens d'en haut, je crois. Hop. Hop, voilà. Je veux juste pas me perdre. Attendez. Si, c'est là. Ok, j'ai eu peur. Pareil, je vais noter les coordonnées d'ici, hein. Ce serait vraiment con. Ok, alors, on va monter, hein, parce que nous, on n'est pas là... Enfin, là, ça me dit rien qui... J'ai envie de savoir où on est, là. On n'est pas à la surface? Couche 35. Ah non, on n'est pas à la surface du tout, là. D'accord. Bah, dans ce cas-là, si on n'est pas à la surface, on va la trouver nous-mêmes. Et on va explorer la grotte. On va peut-être trouver des trucs sympas, des donjons. Je ne sais pas. Donc voilà, on va suivre la grotte. Du diamant, éventuellement. Ouah, c'est la folie au creeper, là-bas. Ok. Attendez. What? What? Attendez. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tortue ninja. C'est quoi? Ok mon pote. Ok mon pote. À mon avis c'est plutôt hostile. Ouais. Ouais 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 ouais. Alors la vérité, j'aurais aimé utiliser mon arc contre l'autre. Voilà. Alors mon pote, on va se le faire comme ça. Il a rien demandé. Ça se trouve il est gentil. Ça a l'air costaud, hein. Ok, il est mort. Ok. Il est quand même plutôt costaud, hein, j'ai l'impression. Hein. Il m'a rien looté. Ça dégage. Là-bas. Oh là, il y a des trucs là-bas. Non, c'est un bug de génération. Ok. Bon, petite exploration de mine. Ok, on est déjà passé par là, on connaît. Il y a du fer à récupérer. Alors pour le coup, je vais en profiter un petit peu quand c'est sur le chemin d'en prendre. Ça nous prend pas trop de temps, mais voilà, il nous faut quand même un petit peu du fer pour la base, pour le coup. Donc on en profite. Là, ça descend pas mal. Ça descend de ouf. J'aimerais bien ne pas faire péter le creeper. J'aimerais récupérer sa gunpowder. Voilà. Excusez-moi, je me concentre. Hein. What? Mais c'est quoi ça? Les gars, il y a plein de nouvelles créatures alors que j'ai pas ajouté de mode depuis. Hein. Bonjour monsieur. Oh, c'est juste ça, d'accord. En fait, on en avait déjà croisé une fois, c'était le screamer que... Ok, en fait, c'est pas vraiment un screamer. C'est juste un petit truc qui sert à rien et qui dépop et qui fait du bruit et qui fait peur. D'accord. Ok, ça va, ça me rassure. Ça me rassure complètement. Bon, je suis assez content parce que là, on en profite pour récupérer du fer. Bon là, attendez, je vais juste... Ah oui, parce que là, c'est complètement con. Je vais ranger ça là-dedans et je vais prendre mon casque en dia... Attendez, je suis perdu dans mon inventaire, là. Voilà, tac, tac, parce que là, ça sert complètement à rien. Voilà. Et après, on mettra le chapeau quand on sortira à la surface, bien évidemment, je vous rassure. Hein, on est des aventuriers ou on l'est pas. J'ai hâte de voir où on est. Hein. Ça se trouve, on est juste à côté de la base et ce serait assez relou. Mais c'est pas grave, le but du jeu, c'est d'explorer de toute façon. Mais je pense pas qu'on soit à côté, à mon avis. Par contre, ouais, là, je suis trop content d'avoir trouvé notre endroit pour s'installer dans le Nether, très sincèrement. En plus, j'ai du flair. Franchement, j'ai du flair et je me dis, il y a un bastion pas loin, tu vois. Alors voilà, je connais même pas et tout, mais pour moi, il y en a un pas loin. Et on est où, là? Ça monte, ça monte.
Ouais, je préférerais monter par là, moi. Moi, je vais me paumer, la vérité. J'aimerais couper cette source, là. Est-il possible? Voilà. Allez, coupe la source. Eh, c'est généré trop bizarrement. Ah, mais parce que... Ah, en fait, c'est une... Ok, c'est censé être un lac ou quoi, là? Merde, j'ai fait un screenshot. Attendez, c'est éclaté par ici. Eh, lui, il m'a follow, lui. Dégage. Alors, ce que je vais faire, les amis, sans plus tarder, je vais reboucher ici. Comme ça, l'eau arrête de couler et on s'en sort un peu mieux. Alors, attends. J'ai pas ton temps, toi. Pour être très sincère avec toi. Voilà. De même. Putain, je suis mauvais, hein. Dégage. Ah, il y a de l'eau juste au-dessus. On doit être à la surface. À mon avis, on doit être sous l'eau, en vrai. On doit être sous l'océan, non? Ah ouais, regardez. Biome Minecraft Cold Ocean. Oh, on est dans un océan glacé. Oh, la loose, c'est trop de la merde. C'est le pire biome dans lequel on aurait pu atterrir. Vraiment. Bah écoutez, on va en profiter pour ressortir la surface. Si je casse ça. Zébardi. Et ben voilà. Bonsoir. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais. Alors là, mon pote, c'est beau, hein. Je dis pas le contraire, mais... Ah ! Oh putain ! Ta mère ! Oh sa mère ! Oh j'ai eu peur ! La vérité ! Casse-toi ! Oh la vérité ! En plus, justement, je cherchais s'il y avait pas... Mais je vais complètement crever. Moi, j'ai complètement cru que j'avais respiration infinie, quoi. Ok. Non, alors on va pas... C'est pourri. Voilà. C'est pourri ici. Ok, mais j'ai plus beaucoup de torches aussi, hein. Ça, ce qui m'embête. Ne vous inquiétez pas, je l'ai vu le zombie. Ok, je viens d'en bas. Je viens de là-bas. Ça part dans tous les sens, les gars, moi je suis perdu. Hein. Je suis perdu et vous le voyez que je suis pas serein. Ah, parce que là, évidemment, si je meurs, de toute évidence, je pourrais pas retrouver mon stuff. Hein? Donc, alors attends. Là, ouais, si je meurs, je peux pas récupérer mon stuff. Ça va où, là? Salut. J'aimerais bien que vous n'explosiez pas. Voilà, de la gunpowder, merci, monsieur, pour faire des... Oh, j'ai jamais réussi à récupérer, putain. Il y en a forcément un qui va péter. Et voilà. Ah bah, c'est bon. Qu'est-ce que je peux jeter? La clé, je m'en fous de la clé. Voilà, merci pour la gunpowder, messieurs. Bon. Du fer, ça nous fait quand même déjà... Oh bah, presque un stack de fer. Ça va vite, hein, en vrai. Hein. Ouais. Là, si je casse... Ah bah, ça servait à rien. Vas-y, j'aimerais sortir, mais sur une terre, quoi. Parce que là, on est en plein milieu de l'océan. Alors, pour retrouver cet endroit, ça va être complicado. Hein. Ah, je suis deg. Ça, c'est bien dommage. Casse-toi. C'est par là que je viens ? Pas convaincu. Je ne crois pas que je viens de là. Il faut que je retrouve mon chemin là. J'aimerais aller au niveau du portail. Alors. Ok. Alors attendez. Attendez, attendez, je suis perdu. Là-bas. Putain, les gars. Oui, c'est de là que je viens, c'est bon, j'ai reconnu. Ok, c'est bon. Donc là, je suis juste en train de retrousser mon chemin. Et voir le portail du Nether, où est-ce qu'il est situé. Genre, on va devoir remonter, tu vois. Voilà, il est juste là, le portail. Et genre, si je monte là, de la manière la plus safe possible, juste pour voir. On est couche 41, donc ça va aller relativement vite. Ok. Ça, forcément, c'est ce qui allait arriver. Putain, ça fait chier, ça. Ça, franchement, ça fait chier. Je suis en train de faire une technique ancestrale, regardez. En fait, c'est pour que l'eau, elle ne coule pas jusqu'en bas. Ah, je suis un beau gosse. Regardez. Voilà. Je peux mettre une torche ici, et là, je vais pouvoir monter.
Normalement l'eau elle coule pas. Oh là, elle va pas plus loin. Hop. Allez, voyons voir où on est. Putain, on est en plein milieu de l'océan quoi. Oh, il fait nuit, on voit rien mon pote. On est en plein milieu de l'océan. Là-bas il y a de la terre, un désert. J'aimerais bien y aller les amis. J'aimerais bien y aller, mais du coup avant ça, je vais faire ça. Voilà. Et on va pouvoir y aller les amis. Hop. On va se faire le repère. Hop. Ah ouais, je déconne zéro là avec ça. Voilà. C'est là-bas. On va aller là-bas les amis. En plus, les gars, j'ai une Ender Pearl, donc on va y aller comme ça. Par contre, j'ai pas de lit. Si ! Si, si, j'ai le lit sur moi, parfait. Vous êtes prêts les amis ? The Bardi, on y va. On va explorer et après 12 minutes de vidéo, c'est nickel. J'aurais pas dû faire ça. Je vais atterrir au fond de l'eau. Pas grave. On est déjà plus proche et c'est même pas un désert. Ah, nickel, on voit bien de loin. C'est même pas un désert, mais c'est sympa. Ok. On va dormir hein, une fois qu'on sera sur la terre ferme, je vous rassure. Alors je vais spawn juste à côté du truc là normalement. J'aurais pas dû utiliser l'Ender Pearl. Si, c'est bon. C'est rentable. Allez. On est sur la terre ferme. On va vite. Voilà. On va vite aller dodo. Je peux pas. Dégage, tu m'empêches de dormir. Voilà. Allez, bonne nuit. Ouh, ça y est. On se met bien. On voit là-bas notre petit point de... Alors, je prends aussi les coordonnées d'ici. Comme ça, je sais que c'est par là qu'on verra le... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu une carte au trésor ce que je suis en train de faire. Hein. Ok. Nous voici dans un nouvel endroit. Donc, évidemment, de toute évidence, on n'est absolument pas à côté de chez nous. Hein. Donc, ce qui est bien sympa. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer. Il y a des petites fleurs, normal. On va enlever le... Des mouettes! On les entend, mais on les voit pas. On va mettre notre chapeau. Voilà. Faut que je range des trucs, là. J'ai trop de trucs sur moi. Voilà. On a notre petit... Regardez, en plus, on voit l'ombre et tout. C'est méga stylé. Incroyable. Ok, allez. C'est parti, on y va. Oh là là, c'est méga stylé. Je suis Indiana Jones. On va juste y aller à la nage, là, le contour. Faut juste que je garde en tête que j'ai les chapeaux sur moi. Ah, attendez, faut voir. Normalement, il protège, en vrai. Lui, c'est 2 de protection. 3. 3, 2. Lui, c'est 2. Eh, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, en vrai, ce qu'il protège. Ok. Du coup, on continue tranquillement. Et on va voir la découverte. Là, on va voir notre base, tu sais. Oula. Alors, ce qui est assez, assez curieux, c'est que ce biome-là, il y en a un à côté de chez nous, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est assez curieux. Mais ça m'étonnerait que ce soit celui-là. Ça m'étonnerait fortement. Oh, un village! Excellent, vas-y, on va aller voir. On va aller voir si on connaît pas ce village. Ce serait quand même vachement drôle. Ce serait pas trop mal, hein. Franchement, si c'est en vrai, de toute façon, c'est pas si loin que ça, hein, de toute façon. Mais si c'est vraiment à côté de chez nous, c'est génial, hein. C'est que du bonheur parce que au moins on se perd pas et on sait comment retrouver l'endroit où je vais faire ma base. Ça va être trop stylé, les gars. Ça va être vraiment trop stylé. Faut juste qu'on se prépare un maximum de gravier. Ça, c'est juste la partie un petit peu relou. Et on est arrivé. Et ce village, on n'y est jamais encore allé, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est mignon par ici aussi. Il y a des vaches, il y a une forge, il y a des gens sympas. C'est sympa. C'est bien mignon. Alors, on va évidemment faire comme chez nous. Ils ont quoi? Des carottes. Ok. La vache, salut. On va un petit peu regarder ce qu'ils ont. Bon, franchement, ils ont des... Je vais pas leur piller le blé, etc. Franchement, chez nous, on est tellement bien. On a besoin de rien. Juste, ça dépend ce qu'ils vont nous proposer dans les coffres. Voilà, par exemple, un petit peu de fer. Là, je vais pas dire non, tu vois. Le pain, je m'en fous. La selle aussi, voilà. Ok. Eh oui, ils échangent quoi? Ok, c'est naze. Ok, pas grand-chose. Par contre, c'est vraiment mignon par ici. Regarde, ils ont... Putain, c'est ouf. Ils ont vraiment leur village en bord de mer complètement.
Et avec une belle petite forêt, grande forêt plutôt, dirais-je même, derrière quoi. C'est vraiment super stylé. Et si tu fais des raids ici, ça doit être trop bien parce que les ennemis ils viennent que d'un côté en vrai. Ils peuvent que venir de là. C'est génial. Attends, je pourrais faire des trocs avec lui, mais bon, vas-y, la flemme. C'est vraiment sympa ici, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet endroit. On va en profiter pour explorer, on va faire tout un tour. D'accord ? Forcément, on est là pour ça, c'était ce que je voulais faire, pour un petit peu explorer. Et puis voilà, tout simplement. On a des moutons. On a du bois. Alors là, on est dans un biome, évidemment, voilà, de biomes au plenty, hein, sans aucun doute. Il y a de la lumière. Ah, c'est de la lave. Tout simplement. Ok. Ok. En tout cas, voilà. Alors, pour le retour en off, je sais pas si je le ferai en vidéo. Enfin, du coup, pour le retour tout court, je sais pas si je le ferai en vidéo ou en off. Potentiellement, je pense que je le ferai en off. Dans tous les cas, ce que je ferai en off, c'est du minage, hein, clairement, pour avoir de nouveau du diamant. Également du fer. Bon, là, c'est bon, on a un stack de fer, c'est vraiment bien. Mais voilà, je referai du minage en off, notamment pour les diamants. Et également pour l'XP avec le charbon, la redstone, etc. Parce que là, il faut vraiment qu'on s'enchante trop bien. Voilà, j'ai vraiment envie de continuer les enchantements des abeilles. Par exemple, tu vois, j'ai pas de pioche silk touch. J'aimerais bien avoir une silk touch pour pouvoir récupérer leur ruche. Et je ne peux pas récupérer la ruche. C'est fort embêtant. Putain, c'est super mignon, quoi. Oh, regardez, ça donne envie de s'installer là. Bon, après, moi, j'ai envie de m'installer partout à chaque fois. Hein. Oh, c'est beau. Oh, c'est bien sympa. Il y a plein d'abeilles et tout. Eh, franchement, ici, c'est super stylé. Hein. Franchement, c'est super stylé. Et hop, je note les coordonnées. Je fais un petit screenshot. Hop, c'est magnifique. Il y a tellement de screenshots à faire, en vrai, les gars. Je sais même pas ce sera quoi la miniature de la vidéo, mais trop beau. Trop beau pour être vrai. On continue, on fait le boucle. En plus, la boucle, pardon. Je pense que c'est une grande île, en fait. Ouais, je crois que c'est une île. C'est ça. Parce qu'après, on va retomber là où on était et au niveau de mon portail dans le nether. Tu vois ce que je veux dire? C'est génial. C'est une île. En vrai, on pourrait se faire une base ici, quoi. C'est à côté du portail, tu vois. Se faire une base secondaire. Parce que j'ai une base actuellement qui est principale, parce que c'est ma seule. Et se faire une base secondaire ici pour faire checkpoint au niveau du nether, tu vois. Bon, c'est pas obligé, c'est pas obligatoire, mais c'est tellement, tellement beau. Attendez. Oui, si, c'est ça. On arrive par là. C'est une île qui est quand même relativement grande. Hein. Mais voilà, par là-bas, il y aura le truc de cobble, on reconnaîtra. C'est bien sympa. Bon, on n'a pas découvert. En fait, il y a un truc que j'aurais aimé découvrir comme ça. Oui, il y a des dauphins. Je sais pas, c'est peut-être trouver des structures, des donjons avec des coffres. Un peu comme ce qu'on avait découvert dans les premiers épisodes. J'aurais bien aimé découvrir ça. Mais visiblement, il n'y en a pas. Comme dit, je vais encore voir pour installer d'autres modes compatibles au fil du temps. On verra pour rajouter puis pour se faire des petits plaisirs. Ne vous inquiétez surtout pas à ce niveau-là. En tout cas, voilà. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement s'en arrêter là pour cet épisode. Normalement, la cobble. Bon, on la voit pas de là, mais on reconnaît que c'est ici. Vous allez la voir dans quelques instants. Allez là. Dis-moi que j'ai raison. Mais oui, c'est là qu'on a dormi. On va y arriver, les gars. Attends, vas-y, on va aller plus vite. Ouais, c'est là-bas que j'ai dormi. Oui, elle est grande cette île en vrai. Hein. On entend les mouettes, j'adore. Elle est grande cette île. Ah mince. Bon, je me permets de claquer des enderperles parce que, ben, clairement, on en a très facilement et très rapidement. Et dans les coffres, j'en ai suffisamment pour le. Wow, putain, j'ai. Il y a eu un de ces bugs, j'ai failli crever comme une merde pour rien. Ah ouais, c'est chaud. Ce qui vient de se passer, c'est chaud. Hein. Vraiment. Hein. Ah ouais, elle est vraiment grande cette île en fait. Elle est plus grande que ce que je croyais. Alors attendez. Hop. Ouais, je disais, on a beaucoup d'enderpearls et c'est vraiment quelque chose qu'on a très facilement et très rapidement en faisant du troc. Donc sans aucun problème. Voilà. On s'en arrête là pour cet épisode, les amis. Je vais faire donc le retour en off. Ce que je vous disais, c'est que normalement, on va voir la structure de cobble. Bon, en vrai, on va même pas la voir, là. Putain, mais les gars, c'est pas possible. C'est ici que j'ai dormi. Pourquoi on la voit pas? Bah, les gars. Oh, c'est encore plus loin. Non, c'est là, c'est bon.
C'est ici là. C'est ici que j'ai dormi. Ah, elle est là-bas. Voilà, me voilà rassuré. Eh bah quand même, voilà, c'est ici que j'ai dormi. Donc voilà, je vais faire le retour en off à notre base principale. Je vais également faire du minage en off. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. On verra ce qu'on fera. Vous pouvez me donner des idées en commentaire. Parce que j'ai pas envie de forcer à vous enchaîner les épisodes dans le Nether. Mais voilà, ultérieurement, on commencera notre base dans le Nether. Je vais aussi récolter du gravier en off, très important, etc. etc. Avec mon petit chapeau d'aventurier. N'oubliez pas le pouce bleu si l'épisode vous a plu. A très vite pour le prochain. C'était Mkolo, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde!